Eh bien, pour commencer cette nouvelle vidéo sur les mafias à Chicago, entrons directement dans le vif du sujet. Ici, nous allons parler seulement des mafias à Chicago. Chaque pays pratiquement a ses mafias et ses mafias en question ont leur propre hiérarchie, système, fonctionnement, etc. Donc ça ne sert à rien de parler des mafias venant d'autres pays, puisque sinon on va très vite se perdre, vu que le sujet est très vaste. Bien évidemment, les mafias de Chicago ne sont pas les plus connues, même si The Chicago Outfight reste l'une des plus connues des États-Unis, entre autres grâce à Al Capone. Bref, qu'est-ce qu'une mafia déjà ? Une mafia est une organisation criminelle, rien de surprenant jusqu'à là. À Chicago, et ici même ailleurs, chaque mafia comporte des crews, comme les gangs pour les 7 si vous voulez une comparaison pour mieux comprendre. Donc la mafia qui est le noyau, comme le gang qui est aussi le noyau, comporte des crews, qui peuvent être comparés aux 7 dans les gangs à Chicago. Chaque crew gère une rue, un quartier ou une bonne zone, et est rattaché à son noyau, donc à sa mafia. Ce sont les mafias qui ont rendu tristement célèbre la ville de Chicago, dans les années 1920, pour la violence qu'ils ont engendrée dans la ville. 90 ans avant l'ère de la drill, et une soixantaine d'années avant l'explosion des gangs et des 7 à Chicago. Les mafias à Chicago ne sont pas tous hiérarchisés pareil, logique. Tout dépend de la mafia en question. Celle dont on va le plus parler reste bien évidemment la légendaire The Chicago Outfight, qui est toujours présente en 2022. On va aussi voir d'autres mafias ainsi que leurs crews, et voir ensuite où tout ça en est en 2022. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler au maximum de toutes les mafias et crews qui ont été ou sont toujours présents à Chicago. Et la première mafia ainsi que ses crews que nous allons voir est la puissante The Chicago Outfight. Fondée par l'italien Diamond Jim en 1910, ce dernier sera tué à Chicago en 1920. D'ailleurs, la photo de son meurtre est disponible sur internet. Tellement qu'à l'époque, il photographiait tout et publiait tout librement, même les cadavres. Une mafia composée donc d'un boss, d'un sous-boss, de plusieurs capos qui sont eux des street boss, donc les patrons qui gèrent les crews pour la mafia, ainsi que du coup des membres et des associés. Il faut savoir que pour The Chicago Outfight, si tu n'étais pas italien ou d'origine, tu ne pouvais pas être membre. Si tu étais irlandais, polonais ou d'une autre origine, tu ne pouvais qu'être associé au maximum, comme le légendaire Ken Eto. Ken Eto, c'était un japonais d'Amérique, né en Californie, et qui était aussi surnommé The Jap, ou encore Tokyo Joe. C'était l'un des plus puissants associés de The Chicago Outfight, qui gérait les jeux d'argent pour la mafia, de Chicago jusqu'au nord-ouest d'Indiana. Il sera ensuite suspecté d'avoir balancé et réussira à survivre après avoir reçu 3 balles dans la tête, après que le capo Vincente Solano ait tenté de le faire tuer. Ken Eto deviendra alors un informateur pour le FBI et décédera en 2004. The Chicago Outfight a 3 des plus populaires et puissants crews à Chicago, que nous allons voir bien sûr maintenant. Le premier est le Chinatown Crew, aka 26 Street Crew. Je ne l'ai pas précisé avant, mais vous l'aurez vite compris de toute manière. Les noms des crews se basent principalement sur leur localisation, donc soit la zone où ils sont implantés, soit la rue, ou soit le quartier. Ici, en l'occurrence, ils sont localisés à Chinatown et sur la 26e rue, entre autres. Ce crew, qui est légendaire, est toujours d'actualité en 2022. Frank Caruso, aka Toots, était le capo, soit le boss de ce crew, avant sa mort en 1983. Bruno Caruso était lui aussi un membre des 26 Street Crew, tout comme Nicolas Ferriola, aka Nick. Dans Chinatown, donc sous le Chinatown Crew, il y avait l'ancien repère, bordel et bar, clandestin d'Al Capone, qui était aussi appelé Far Dust. Et à l'opposé de l'ancien repère, se trouvait un club où tous les mafieux traînaient. Cicello Crew est un autre crew légendaire de The Chicago Outfight, avec comme boss James Indendino, aka Icepeak. Le Cicello Crew comportait des membres comme Luis Reynon, Robert Bellavia, aka Bobby, Paul Carparelli, aka Big Polly, ou encore Filippo Rovito, aka Gigi. Ce crew est bien sûr toujours d'actualité en 2022, et je vous laisse bien évidemment deviner où ils sont localisés. Ensuite, il y a le Elmwood Park Crew, localisé à Elmwood Park. Eux, je ne sais pas s'ils sont toujours présents en 2022. Ils ont eu des membres comme Dominique Cassano, aka Manny, Gino Cassano, aka Min Jenny, ou encore Anthony Dotte, aka Tony. Le quatrième crew, mais qui est le troisième crew légendaire de cette mafia, c'est le Grand Avenue Crew, localisé à... Eh ben non, pour cette fois par exemple, ça ne marche pas. Ils sont localisés à Noble Square, mais leur rue principale est tout simplement très grande. La particularité de ce crew est qu'ils avaient des associés polonais, en plus d'Irlandais. Le boss
qui était à la tête du Grand Avenue Crew n'était nul autre que Albert Vena, a.k.a. The Falcon. Ce crew a été composé de membres comme Robert Panozzo Sr., a.k.a. Bobby Pinocchio. Sur cette grande avenue, le célèbre mafieux Jack McGurn, a.k.a. Machine Gun Jack, a été tué en 1936 par le Northside Gang, des rivaux de The Chicago Outfit. Jack jouait au bowling quand il a été tué. Ça, ce ne sont vraiment les crews de The Chicago Outfit qui ont marqué l'ère mafieuse à Chicago. Bien sûr, en plus des crews, cette mafia contrôlait un bon nombre de business, parfois localisés à quelques pas des zones contrôlées par des crews ennemis à eux, qu'on va voir juste ensuite. Pour vous donner une idée de la puissance de The Chicago Outfit, entre 1970 et 1979, ils ont commis 94 meurtres répertoriés par le FBI. Imaginez maintenant un 7 ou 2, comme O'Block et la 600, qui commettent 94 meurtres en 9 ans. Ça montre à quel point les mafias étaient un gros problème à Chicago. Malgré que certains retournent leur veste et deviennent des informateurs, les plus puissantes mafias comme The Chicago Outfit n'ont jamais été proches de leur fin et continuent de nos jours à brasser beaucoup d'argent. The Chicago Outfit avait, et a toujours, des liens avec les Gangster Disciples. En effet, il y a plus de 30 ans, voire 40 ans, le set C-Not, qui était un set de Gangster Disciples, donc appartenant à la Fox Nation, s'est rapproché jusqu'à faire du business avec The Chicago Outfit, jusqu'à que même certains membres soient recrutés par le Chinatown Crew. Le C-Not a donc été totalement affilié à The Chicago Outfit, et la mafia s'est donc retrouvée affiliée à la Fox Nation grâce à eux. Pour terminer brièvement sur The Chicago Outfit, je pense qu'on a déjà tous entendu parler du massacre de la Saint-Valentin en 1929 par The Chicago Outfit. Ce massacre a été orchestré par nul autre que Al Capone pour venger la mort des deux boss de Chicago, Tony Lombardo et Joseph Ferraro, qui eux avaient été tués pour venger la mort de Frankie Yale. Au final, rien ne change réellement d'aujourd'hui, même si l'argent était bien plus mis en avant par les mafieux et se faisait la guerre principalement pour ça. Ça a presque toujours été qu'une histoire de vengeance, qui ne peut s'arrêter. En 2022, le boss actuel de The Chicago Outfit serait Salvatore De Laurentiis, a.k.a. Solidi. Bon, ce ne sont que des rumeurs, mais il est hautement surveillé. Sur Facebook, il tient une page de mafieux tel un fan, et surtout, comme un bon gros troller. L'une des principales mafias ennemies à The Chicago Outfit était The Northside Gang, aussi appelée The Chicago Syndicate. Cette mafia était la branche principale de la mafia irlandaise à Chicago et était aussi composée d'Américains. Fondée en 1919 par Charles Dean O'Banion, cette mafia ne va pas avoir la même puissance que The Chicago Outfit, même si ils ont essayé. C'est d'ailleurs contre 6 de leurs membres, ainsi qu'un ami des 6 membres, que le massacre de la Saint-Valentin a eu lieu. En 1935, soit 6 ans après le massacre, George Moran et Kay Bugs décident de tout quitter, et l'organisation sera dissoute directement après son départ. Néanmoins, on va tout de même voir 3 de leurs crews, qui étaient donc à leur époque en guerre contre ceux de The Chicago Outfit. Et leur premier crew que nous allons voir était tout simplement le crew principal du Northside Gang, le Downtown Crew. Composé d'Irlandais et d'Allemands, le crew est localisé là où a eu lieu la création du Northside Gang, en 1919. C'est à quelques mètres d'écart, dans la zone localisée du crew, que O'Banion se fera tuer en 1924, et 2 ans plus tard, en 1926, Jaime Weiss se fera tuer à son tour à quelques pas d'où a été tué O'Banion. Al Capone serait derrière le deuxième meurtre en tant que tireur lui-même. Comme The Chicago Outfit, The Northside Gang disposait de plusieurs business dans leur zone. Leur business était bien sûr moins populaire que leurs ennemis, d'où le fait que ces derniers plaçaient même leur business dans la zone ennemie, dont chez The Northside Gang. Le deuxième crew du Northside Gang est le Northside Crew, lui aussi composé d'Irlandais et d'Allemands. Ce crew était localisé vraiment à la limite du nord et du sud, mais s'expandant dans le nord, d'où le nom. Le grand braqueur de banque, John Dillinger, chef du Dillinger Gang, a été tué par la police en 1934 dans la zone du Northside Crew. Le dernier crew de cette mafia que nous allons voir est le Houghton Crew, composé seulement d'Irlandais. Lorsque le Northside Gang a été dissous, les crews l'ont été aussi, et les zones ont été mises à l'abandon avant d'être récupérées par certains sets des années plus tard. Mais nous allons voir tout ça à la fin de la vidéo, le rapport entre les mafias et les sets de nos jours. Bref, à Little Italy, lieu de la création de The Chicago Outfit en 1910, un des alliés les plus puissants et loyaux de The Chicago Outfit y est présent. Le crew se fait appeler Little Sicily Crew et sont composés d'Italiens et de Grecs. Mais eux n'appartiennent pas à The Chicago Outfit,
mais bien à la mafia The Jenna Family. Une mafia qui a toujours été de très bons alliés à The Chicago Outfit. D'ailleurs, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais en 2022, les organisations grecques sont très présentes à Chicago et ont même certains quartiers juste à eux. Si on devait comparer The Backyard Crew à quelque chose d'aujourd'hui en termes de grandeur de quartier, ça serait à Motown. Sauf que vous multipliez le quartier de Motown actuel par 10. C'était la grandeur de la zone contrôlée par The Backyard Crew. Un crew localisé dans toute la zone de Back of the Yard, où est actuellement localisé le quartier de Motown. Composé de Polonais et d'Irlandais, ils étaient rattachés à la famille Saltis McErlan Gang. Une famille dirigée par Joseph Saltis et qui est Polak Joe et Frank McErlan. Bien évidemment, ce crew n'est plus du tout actif et toute leur zone est submergée par les sets de Back of the Yard, soit plus de 37. Cette zone sera plus tard prise par Al Capone, qui terminera par la contrôler entièrement, faisant fuir Joseph Saltis qui ira se cacher au Wisconsin. Il y avait d'autres mafias, donc d'autres crews aussi, bien évidemment. Tout ne tournait pas autour d'eux, mais c'était vraiment les principaux crews des principales mafias de l'époque. Je peux bien évidemment citer la Southside O'Donnell's Mob, la Westside O'Donnell Mob, et la petite parenthèse, même si les noms sont identiques, ils étaient bien en guerre. On pourrait donc comparer ça aux Insane ou Renegade d'aujourd'hui dans les 7. Il y avait aussi le Valley Gang, le Toogie Kolb Gang, le Sheldon Gang ou encore Little Africa, qui mériterait une vidéo entièrement dédiée à cette organisation, puisque c'est la naissance de beaucoup de choses à Chicago. Les mafias à Chicago en 2022, qu'est-ce que ça peut bien donner? Il faut savoir déjà qu'ils ont évolué, tout comme la technologie et les organisations légales qui sont sur leur dos depuis presque un siècle pour certains. Ils s'adaptent donc et essayent de ne pas reproduire les erreurs du passé. Beaucoup d'organisations criminelles de type mafieuse font du business encore avec des sets, gangs, que ça soit à Chicago, dans les villes alentours, en Illinois ou même ailleurs. Ils gardent cette réputation d'homme discret, de col blanc et de machine à argent quand tout se déroule parfaitement. The Chicago Outfit en 2022 se porte toujours bien par exemple, et même si le FBI tente d'être sur tous les fronts, il n'y a aucune réelle hiérarchie de The Chicago Outfit en 2022, malgré les spéculations. Bien évidemment, les 7 jouent un rôle majeur en 2022 à Chicago. Comment font-ils pour s'entendre? Et est-ce que les 7 empiètent sur les territoires des mafieux? Pour les exemples, on va prendre les crews dont on a parlé quelques minutes avant, donc ceux de The Chicago Outfit et du Northside Gang, et vous allez vite comprendre. Les 7 ont bien sûr envahi Chicago, donc aussi les zones des crews des mafias. Et les peu de zones toujours actives datant de l'époque arrivent à ne pas être tant submergées que ça. Mais les zones inactives, comme celle du The Backyard Crew, sont totalement submergées par les 7 et perdues à tout jamais. Le 26 Street Crew du The Chicago Outfit par exemple est dans la même zone aujourd'hui que les 7 de l'OTV 029 et la 757, pour vous donner une idée. Bien évidemment, il n'y a que 457 dans la zone des 26 Street Crew. Le Sitchello Crew, lui, a été submergé par différents gangs qui ont laissé différents 7 dans leur zone, des 7 noirs, latinos et même blancs. Le Elmwood Park Crew, lui, a été carrément absorbé par une autre organisation. C'est pour ça que je ne sais pas si la zone est toujours active. The Grand Avenue Crew a lui aussi quelques sets dans sa zone, mais ça reste minime. Principalement, les sets sont des sets latinos. Le Dotton Crew, qui n'est plus actif, n'a qu'un set de nos jours dans sa zone. Et le Houghton Crew, lui, s'est vu submergé par des sets comme le Hula Gang, la Lille for Mob, la TBG, Stoneville, etc. Il faut savoir que les 7 latinos préfèrent travailler avec les cartels, en toute logique, et que le business avec les crews mafieux, comme on les a vus, sont principalement faits avec les 7 noirs et blancs. Par exemple, certains 7 comme les LAFA ont une hiérarchie précise et ont des affiliations avec des crews mafieux. D'ailleurs, en 2020, une loi RICO avait été mise sur eux et ils avaient arrêté 5 grosses têtes des LAFA. Donc, comme vous l'aurez compris, les mafias en 2022 ainsi que leurs crews, dont beaucoup qu'on n'a pas vu actuellement, sont toujours d'actualité de nos jours et bien actifs. Ils sont discrets, logiques, mais font énormément d'argent. C'est bien pour ça qu'ils sont discrets. Et du coup, les cartels à Chicago, qu'est-ce que ça donne? C'est aussi une longue histoire, mais des histoires qui sont plus de notre époque et plus liées à la drill, notamment comme avec les jumeaux de Chicago qui ont balancé El Chapo, ou encore le meurtre commandité par un cartel sur Bigelow,
père de Lilo de Lamron. Donc, si vous voulez un épisode 2, on parlera rapidement des mafias encore et on focalisera tout le reste de l'épisode sur les cartels à Chicago. À vous de me dire.